Martin Kelly pilote les équipes techniques qui travaillent à la production de cette émission. Le monde comme il va est porté par l'ensemble de la rédaction centrale. Bégodé Madone, bonjour. Bonjour à vous, Barga Bega, et merci d'être avec nous sur la 96.3 FM. Sur la 96.3 FM, mais également sur nos différentes plateformes numériques, le monde comme il va, ces trois destinations principales ce matin. D'abord en Ukraine, pour ce qui oppose justement dans le conflit russo-ukrainien, mais également nous parlerons de politique et de politique nationale en France. Avant, fut aussi peut-être de faire un détour, si le temps nous le permet, dans ce qui est désormais considéré comme étant l'affaire Telegram, avec le fondateur de cette plateforme et réseau social qui a donc été interpellé, puis relâché et finalement mis sous contrôle judiciaire en France. Eh bien, avec la possibilité du temps, on en parlera justement en fin de cette émission. Mais plantons déjà le décor avec les frappes qui ont eu lieu depuis Moscou en direction de Kiev, qui illustrent donc aujourd'hui le fait qu'il y a comme une mélodie inaudible et finalement hostile à la paix entre Kiev et Moscou. On aura les dernières nouvelles du front. Ce sera avec Monsieur Laurent Braillard, journaliste reporter d'images sur le terrain dans le Donbass, mais aussi historien. On en parlera avec vous et puis on fera le point sur les soutiens financiers de Kiev qui s'amenuisent et une vie des initiatives diplomatiques qui se déploient autour de ce conflit constitueront également le focus de ce jour. D'ailleurs, c'est par cela que nous commencerons dans l'entame de cette émission. Barga Abega, nous aurons également l'opportunité de discuter de cette nomination du Premier ministre en France. Est-on en droit de parler aujourd'hui de coup de force d'Emmanuel Macron? Notre invité chez Le Lawson tentera d'y répondre. Tout ce qui fait dire que le monde comme il va aujourd'hui résonne finalement comme une disharmonie, comme une chanson dont les aigus sont stridents et percent les tympans de ceux qui tentent de le comprendre et de la saisir, cette mélodie d'entre conflictualité justement entre la Russie et l'Ukraine et cette percée ou alors le coup de ce que vous avez appelé comme le coup de force en France. Nous tenterons de comprendre, de décrypter, mais surtout de dégoupiller les enjeux de toutes ces actualités. Je vous propose à présent, si vous en avez convenance, de marquer la transition qui va nous permettre de nous installer et d'accueillir le premier invité de ce plateau. Merci à tous d'avoir choisi For You Radio pour vous informer à nouveau ce jour. La 96.3 FM, la radio panafricaine. Dans le cadre de ce programme, Le Monde comme il va, nous recevons chez Lou Lawson. Il est panafricaniste, leader panafricain, mais aussi analyste économique et politique. Avant de rejoindre chez Lou Lawson depuis le Canada, nous rejoindrons, n'est-ce pas, Monsieur Braillard, Laurent, qui est avec nous, je le disais tout à l'heure, journaliste, reporter d'images et historien. Il est la plupart du temps sur le terrain dans le Donbass ou encore à Donetsk. On ne sait pas de quel côté il se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'il est à Koursk? Je ne sais pas. Bonjour Monsieur Braillard, bienvenue. Bonjour à vous. Je suis à Moscou en ce moment. D'accord, vous êtes à Moscou en ce moment. Mais avec vous, on prend les dernières nouvelles du terrain. Alors, les dernières nouvelles du conflit russo-ukrainien. On se souvient de ces frappes offensives de la Russie en direction évidemment de l'Ukraine. Ce qui a fait mouche et d'ailleurs créé la panique au sein de l'OTAN. On a constaté la mise sur pied de ce conseil d'urgence de l'OTAN qui s'est réuni et a donné ses conclusions. Avant de parler de ces conclusions, comment est-ce que ça se passe actuellement sur le terrain? Est-ce que Moscou est suffisamment offensif? Est-ce que l'Ukraine réussit à se défendre? Est-ce qu'il y a de nouveaux matériels qui ont été reçus comme cela avait été annoncé? On se souvient également de ces aides qui ont été annoncées par l'OTAN. Comment est-ce que ça se passe en réalité?
Alors pour commencer, et ça s'est beaucoup agité le front depuis que j'ai été votre invité la dernière fois, les Ukrainiens ont lancé une offensive dans la région de Koursk et sont donc rentrés sur le territoire russe de l'avant Maïdan, donc avant 2014. Donc ça c'était la grande nouvelle. Du côté, alors c'est une offensive qui a fait beaucoup 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 de bruit, avec pas mal de drames aussi, bien sûr, c'est très sanglant. Sur le front, voilà, il y a une volonté des Ukrainiens de rentrer sur le territoire pour des raisons probablement plus politiques que militaires. En tout cas, la bataille dure depuis 24 jours, mais les Ukrainiens piétinent. C'est très meurtrier des deux côtés. Il y a beaucoup de drames aussi au niveau des civils. Il y a quand même pas mal de civils qui ont été évacués des deux côtés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, les Russes ont percé le front au centre, dans le Donbass, en direction de la ville de Pokrovsk, ce qui est la dernière ville du Donbass, enfin de l'ancien oblast de Donetsk avant celui de Dnipropetrovsk. Là, les Russes avancent tous les jours. Il y a maintenant un gros trou dans le front. Donc, il y a ici une dichotomie entre ben, ce qui se passe à Koursk et ce qui se passe dans le sud. Quant à la frappe, effectivement, ça a été une mauvaise surprise. Les Occidentaux, souvent les médias, ont communiqué sur le fait que les Russes n'avaient plus de matériel, plus de missiles. On voit bien, évidemment, pas le cas. Il y avait cette plaisanterie fameuse sur les machines à laver que les Russes démontraient. Enfin bon, on était sur évidemment une fausse nouvelle. Quant au reste, la guerre n'est pas prête de se terminer, de mon avis. Bon, malgré, évidemment, là on est à la belle saison, donc c'est l'époque des offensives, c'est l'époque des mouvements. La guerre des drones est plus que jamais installée. On voit de plus en plus de vidéos de plus en plus violentes par rapport à cette guerre et leur prégnance, enfin leur impact sur la guerre, ça c'est clair. Pour le reste, toujours des drames hein, des deux côtés, hein, des civils qui bien sûr sont touchés d'un côté et de l'autre. Les Ukrainiens ont bombardé des villes en Russie, Belgorod souvent, l'oblast de Belgorod est aussi pris pour cible. Donc voilà, on en est là. Merci, merci à vous, Laurent Braillade, pour ce premier jet dans cette émission Le Monde comme il va. Maintenant, on a eu quelques informations selon lesquelles l'Ukraine aujourd'hui manque de personnel au sein de ses armées et donc se retrouve en train de recruter des plus jeunes et des plus vieux. Qu'en est-il sur le terrain, Laurent Braillade? Alors, on voit énormément de vidéos de recruteurs ukrainiens dans les rues Odessa, Kiev, Dnipropetrovsk, qui ramassent de force des hommes, plus ou moins jeunes, plus ou moins vieux, avec des fois beaucoup de violence. Ces vidéos maintenant sont partout sur les réseaux. La deuxième chose, on voit aussi énormément de voitures brûlées. Les gens, la nuit, brûlent les voitures des recruteurs qui sont identifiés ou des voitures de l'armée où il y a une certaine lassitude. Et on commence. Sur le front, par contre, les vidéos des prisonniers nous montrent des hommes et aussi des photos, hélas, de corps de jeunes, d'hommes jeunes qui n'ont pas atteint les 25 ans et aussi de vieux soldats, entre guillemets, qui ont plus de 40, plus de 50, voire des fois autour des 60 ans. Et dans les prisonniers, c'est à peu près ce qu'on voit aussi. Donc pour l'instant, l'Ukraine, voilà, peine, bien sûr, c'est difficile. La Russie également, hein, c'est très meurtrier, surtout en ce moment. Donc, mais en Ukraine, bien sûr, il y a ici une fatigue de la population très forte par rapport à cette mobilisation forcée. Et je rappelle par ailleurs que la Russie, elle, n'a fait qu'une mobilisation. L'Ukraine, en eux, depuis 2014, je ne me rappelle plus combien de vagues, mais 12 ou 13 ou 14 vagues de mobilisation, c'est énorme. Alors, Monsieur Braillard, dites-nous, en attendant de parler des résolutions de l'OTAN, la Russie a choisi d'ouvrir un autre front. Vous parliez d'un trou qui est créé désormais. Est-ce que la reprise de course est à l'ordre du jour de manière opérationnelle, côté Moscou? Là, on assiste à une situation assez étrange, c'est-à-dire les Ukrainiens ont lancé, alors je connais bien l'armée ukrainienne, hein, donc on voit dans cette poche des unités d'élite, par exemple 3 brigades de parachutistes, 4 ou 5 brigades d'élite mécanisées avec du matériel essentiellement occidental. On voit un régiment des forces spéciales. Voilà, il y a aussi des troupes de moindre qualité, mais quand même, ils ont poussé ici des troupes d'élite. Les Russes, à mon avis, sont dans l'attente. Ils fixent ces troupes. C'est très meurtrier, donc l'Ukraine perd en fait ses réserves
opérationnel, stratégique, qui aurait pu intervenir dans le centre ou le sud. Et la Russie, elle, profite de ce moment. Le front de course est 40 km de large à peu près. Ils ont pris une trentaine de villages, une petite ville sans importance stratégique. Donc je pense ici que l'avantage est aux Russes. Et ça a donné aussi peut-être à la Russie une opportunité de dire voilà, on est envahi, regardez, l'ennemi est bien là. Pour ceux qui ne le croyaient pas, parce que la Russie c'est très grand, hein, bien sûr, il y a des gens qui sont à 9000 km du front, qui n'ont pas conscience évidemment, même s'ils sont russes, ce qui se passe. Là, ça fait un choc, on a vu beaucoup de solidarité, l'évacuation de presque 100 000 personnes, c'est énorme. Et les Russes, oui, plus, je dis 100 000, mais vous avez raison. Beaucoup plus, et il faut compter aussi le côté ukrainien, bien entendu. Donc ça fait beaucoup de monde, beaucoup de civils en mouvement. En matière de guerre de drones, on connaît le niveau de la technologie russe, je veux dire. Est-ce que l'Ukraine est, selon ce que vous voyez sur le terrain, même de rivaliser sur la qualité justement du matériel militaire, particulièrement des drones utilisés? J'ai un ami qui fait partie d'une unité française qui s'appelle Normandie-Niemen qui combat côté russe. C'est une unité de Français et du côté donc de drones. J'ai vu il y a quelques jours, et on a beaucoup parlé de ça, de son avis personnel, et j'ai aussi rencontré cet avis chez d'autres soldats. La Russie a plus de drones en quantité. L'Ukraine a des drones de manière technologique plus avancée, un peu plus avancée. Donc la technologie contre la quantité, finalement, ça rappelle un peu la Seconde Guerre mondiale avec la technologie allemande, les fameux chars Tig, Panther, et la masse des chars russes. Donc peut-être qu'on aura la même histoire, mais en tout cas, on en est là. Mais ils sont très proches hein, au niveau technologie. Pour l'instant, on est dans un moment où les ingénieurs derrière travaillent sur des nouvelles armes, ça c'est certain. Des nouvelles armes contre les drones et de nouveaux drones. Merci beaucoup. Bégoudé Madone. Merci à vous, Mbarga Bega. Eh bien, Laurent Braillard, à présent, peut parler de cette réunion, de ce conseil de l'OTAN qui s'est tenu il y a de cela quelques jours. C'était le 28 août dernier. Il ressort de ce conseil qu'il faut absolument aider l'Ukraine à nouveau face à la Russie afin que l'Ukraine puisse gagner cette guerre. Ce sont les propos, en tout cas, du secrétaire général du côté de l'OTAN. On parle aussi d'apporter un peu plus d'aide financière du côté de l'Ukraine et d'aide militaire. Mais pendant ce temps, il y a de cela une semaine, Olaf Scholz, depuis l'Allemagne, disait il ne faudrait plus accorder de l'aide à l'Ukraine. Il faudrait réduire dès 2025 l'aide à l'Ukraine afin de ne pas laisser Kiev avec un héritage de surendettement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'au sein de l'OTAN, les points de vue concernant l'Ukraine et l'aide sont assez mitigés. Est-ce que ça jette le flou sur la guerre, sur le front là-bas? Ah, je pense que ça, c'est très important ce qui s'est passé en Allemagne. C'est le deuxième fournisseur d'armes pour l'Ukraine derrière les États-Unis. Donc c'est quand même très important. Ils ont une industrie de l'armement de pointe, très connue. Rheinmetall et beaucoup d'autres. Et là, ils ont annoncé effectivement qu'ils donneraient 28 milliards de mémoire d'euros d'aide, mais c'est un chiffre qui est en nette baisse. Alors ça, c'est pour l'année 2025, pour le futur. Donc effectivement, ils sont déjà dans un ralentissement parce que leur capacité s'épuise. L'Allemagne est particulièrement touchée par cette guerre de manière économique, par le fait des matières premières, du gaz russe, tout ça est devenu très cher et ça commence à coincer par rapport à son économie, les entreprises qui ferment. La France est moins touchée, mais quand même. Donc on va voir. Ce qui est sûr, c'est que les armes, on l'a vu, il y a une certaine hypocrisie de mon avis. C'est-à-dire que les armes employées à Koursk ont été massivement montrées comme étant des armes occidentales. Donc on sacrifie ces armes, et ensuite finalement, il y a un petit peu un effet, on n'en a plus, donnez-nous encore des armes. Et vous savez que les Américains ont donné des avions, il y en a déjà un qui s'est écrasé, peut-être deux ou trois, on ne sait pas trop. C'est un petit peu... l'industrie de l'armement occidental se porte très bien et le peuple occidental, qu'il soit allemand, américain ou français, paye le net. On est là.
Alors, Monsieur Braillard, on conçoit finalement que l'aide financière apportée à Kiev par les capitales occidentales est aussi un investissement sur lequel on en attend un retour. Est-ce que les réticences, les dernières, de l'Allemagne, Berlin et tous les autres ne sont pas le sentiment de ce que, effectivement, ce retour sur investissement n'est plus tout à fait garanti? Mais bah vraiment, d'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, c'est quand ils affirment qu'il faut donner des armes pour assurer la victoire de l'Ukraine. Je crois que même les médias anglo-saxons n'y croient même plus à cette victoire. Et d'ailleurs, qui y croyait au départ? Il faut voir quand même qui est le belligérant d'en face, c'est quand même la Russie. Donc c'est absurde. Effectivement, là c'est très intéressant parce que c'est pas de l'aide gratuite, c'est pas donné. Il va falloir qu'ils rendent cet argent. Et là, l'Ukraine, évidemment, plus elle sera réduite, plus elle sera affaiblie, et je pense aussi que l'Ukraine a déjà beaucoup donné. Je sais que les Américains, Bayer aussi, ont acheté beaucoup de terres en Ukraine. Le port d'Odessa appartient à une firme, je crois que c'est Cargill, américaine, australienne. Donc ils ont déjà quand même beaucoup donné, et les Ukrainiens, bien sûr, vont devoir payer. Et ça, c'est clair que si la guerre est perdue, eh bien la question, ce sera comment ils vont récupérer leur argent. Bon, ils le récupéreront, hein. On connaît les banques, on connaît les lobbies, mais ça devient très compliqué. Effectivement, on peut se poser la question. L'Allemagne a commencé à effectivement adresser ses réticences. On ne sait pas comment l'Ukraine va pouvoir solder cette dette, l'héritage financier, mais également l'intégrité territoriale qui va visiblement au bout du conflit être encore entamée. L'Ukraine, la grosse perdante de ce conflit, derrière un Occident qui a passé le temps à entretenir le conflit, à pousser cette Ukraine. Est-ce que vous avez le sentiment que la population ukrainienne dans sa majorité est capable dans les 2, 3 années à venir de comprendre la réalité de ces enjeux? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le comprennent déjà par rapport aux résistances à la mobilisation, par rapport aux voitures qui brûlent. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a aussi pas mal d'Ukrainiens qui tentent de s'enfuir. Là, il n'y a pas très longtemps, il y en a 3 qui ont sauté sur des gardes frontières, les ont assommés, ont pris les armes et sont passés en Roumanie, puis se sont rendus, puis ont demandé l'asile politique. Donc ça, c'est des choses. On voit bien que le peuple ukrainien est fatigué, sa fatigue sera de plus en plus grande. Et puis les photos des cimetières, c'est assez tragique, hein. Des immenses cimetières recouverts de drapeaux avec des tombes qui sont déjà prêtes, c'est terrible. Donc je pense que la fatigue est là, mais c'est un pays en guerre avec bien sûr ses codes, c'est-à-dire état d'urgence, couvre-feu, la police politique, le SBU est là. C'est compliqué pour les Ukrainiens de manifester dans un tel. Les élections ont été annulées, comme vous savez. Il y a 12 partis politiques interdits, des médias interdits, l'église orthodoxe, là, comme vous savez, enfin le patriarcat de Moscou, il y a un texte de loi qui est passé qui est aussi dans les répressions. Ça devient quand même en Ukraine compliqué pour protester, je pense. Donc, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très fatigués. Effectivement, le peuple ukrainien est fatigué de la guerre du côté de l'Ukraine. Merci, Laurent Braillard. On va peut-être terminer avec cette ouverture justement de débat. Vous avez évoqué tout à l'heure l'élection présidentielle qui a été annulée. Celle-ci devrait avoir lieu en mai, si je ne m'abuse, justement. Et on se souvient des déclarations de Vladimir Poutine concernant la paix en Ukraine, concernant les pourparlers de paix pour régler définitivement cette situation entre les deux pays, mais il évoquait déjà la difficulté de discuter avec un pouvoir illégitime. Aujourd'hui, on peut donc dire sans ambages, Laurent Braillard, que Volodymyr Zelensky a choisi la route de la guerre coûte que vaille et devra payer le prix d'ici quelques années ou alors d'ici quelques mois, c'est cela? Ou alors le peuple ukrainien, lui, devra payer le prix en réalité? En réalité, c'est lui qui le paye, comme vous savez, et depuis très longtemps. C'est vraiment un drame, c'est une guerre civile entre frères slaves, parce que il y a beaucoup, d'ailleurs, sur le front, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, j'en ai rencontré un hier. Il est de Dnipropetrovsk, que sa mère est ukrainienne, son père est russe. Voilà, c'est ça, cette guerre. C'est une guerre dramatique. Donc c'est le peuple qui la paye et qui la paiera. Dans les destructions, dans sa chair, évidemment, hein, parce que les pertes sont très grandes. Les destructions, on n'en parle pas beaucoup, mais il va falloir reconstruire cette Ukraine. Alors les Occidentaux ont dit la Russie paiera, mais j'en suis pas bien sûr. Et le peuple. Et puis il y a une fuite, évidemment, comme vous le savez, la population s'en va. Ils sont plus que 30 millions à peu près. Ils étaient 52 millions en 1992. C'est terrible.
Merci, merci à vous. Merci Laurent Braillade pour les nouvelles du front et cette analyse sur l'actualité concernant le conflit russo-ukrainien. On espère vous recevoir très bientôt à nouveau dans le cadre de ce programme Le Monde comme il va. Merci à vous. Eh bien, pendant que Laurent Braillade s'en va et qu'on retrouvera certainement très bientôt dans notre programme et sur les ondes de Forio Radio, on va prendre une courte transition, Barga Bega, avant de retrouver chez Hello Lawson, qui bien sûr aura le droit de commenter un tout petit peu l'actualité concernant ce focus que nous avons abordé avec Laurent Braillade. À votre guise. Eh bien, Barga Bega, nous n'aurons pas cette transition demandée. On accueille à présent chez le Lawson dans ce programme. Bonjour et bienvenue, Monsieur Lawson Nyamasadi. Bonjour, Madame Begoudé. Merci pour votre invitation. Je salue votre co-animateur. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Merci pour cette invitation. Merci à vous d'être là, voilà, dans le cadre de ce programme Le Monde comme il va. Monsieur Chelo Lawson, c'est un plaisir effectivement de vous retrouver. Je me fais le porte-voix des téléauditeurs de For You Media qui n'ont pas cessé d'apprécier la pertinence et la percutance de vos arguments quand il s'agit de décrypter l'actualité. Ce que vous ferez encore, ce que vous faites encore avec nous ce matin, on parle justement avec vous aussi de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, un conflit qui s'enlise, démarré en 2022. On avait pensé qu'on s'en allait vers la fin de cet été, vers des négociations ouvertes entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, mais la réalité du front nous renseigne que non, et des éléments d'analyse nous disent plutôt que ça pourrait repartir au coup de Kalach très bientôt. Quel est le regard que vous posez sur l'enlisement de ce conflit? Ben, vous avez raison de relever que cette guerre s'enlise. En réalité, il ne fallait pas attendre autrement, puisque le projet initial, c'était d'utiliser l'Ukraine comme un proxy, et ce proxy pour l'OTAN, pour les États-Unis, pour le monde unipolaire, qui ne voudrait pas se voir dépassé par une dynamique qui a vu les plaques tectoniques dériver leur centre d'inertie de l'Ouest vers l'Est avec les BRICS. Et donc, il fallait provoquer une guerre qui, en réalité, visait la Chine, puisque la Chine montait en puissance du point de vue économique. Et la FMI, la Banque mondiale, ont déclaré récemment que l'économie chinoise est devenue la première économie mondiale. Et donc, par conséquent, les États-Unis sont tétanisés, puisque cette montée en puissance de l'économie chinoise a provoqué ce qu'on appelle un phénomène de dédollarisation de l'économie, où le dollar, qui est l'âme supra-géopolitique internationaliste des États-Unis de contrôler l'économie mondiale, eh bien, le dollar perd de sa valeur, puisqu'il y a un choix qui est fait du côté des BRICS de ne plus utiliser le dollar comme monnaie de réserve et d'échange. Et donc, tout ça affaiblit l'économie américaine. Il fallait donc provoquer une guerre, et cette guerre doit passer d'abord par l'affaiblissement de la Russie, qui est une puissance militaire alliée de la Chine, avant de pouvoir aller encercler, endiguer l'économie chinoise. Donc, l'Ukraine a été utilisée comme un proxy. Pour ça, malheureusement, c'est le peuple ukrainien qui fait les frais, des millions de morts, de blessés, un pays complètement exsangu avec des millions de réfugiés. Et cette situation, eh bien, se prolonge tout simplement parce que l'OTAN, les pays européens ont été entraînés dans cette dynamique, et tant qu'ils n'ont pas atteint l'objectif, comme ils l'ont d'ailleurs dit jusqu'au dernier Ukrainien, cette guerre pourrait encore s'enliser. Le problème, c'est qu'ils ont rencontré une résistance féroce de la Russie qui défend sa sécurité, puisqu'il faut rappeler, cette guerre remonte jusque
à la fin de la guerre froide où l'OTAN avait promis de ne pas, n'est-ce pas, avancer sur le périmètre de sécurité russe défendu par l'URSS, mais cette parole n'a pas été respectée. Ils se sont avancés jusqu'à 1000 kilomètres et donc à la porte de la Russie et installé des armes, des missiles, ce que la Russie évidemment ne pouvait pas accepter. Et donc aujourd'hui, cette guerre s'enlise tout simplement parce que les Européens ne veulent pas reculer. Mais malheureusement, la puissance militaire, la puissance économique, la résilience de l'économie russe fait en sorte que l'Ukraine sera sacrifiée. Les Européens finiront par constater leur défaite, mais l'Ukraine fera le perte de profit. Il y a comme une sorte de triangulation, M. Gilles Lawson, dans votre analyse, qui me fait me projeter un peu sur justement le débouché final ou alors ultime de ce conflit russo-ukrainien avec l'avènement annoncé de l'ancien président ou alors le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Est-ce que ce dernier pourrait accélérer la mise à mort du conflit ukrainien avec, on le sait, ses positions sur le soutien militaire et financier que les États-Unis apportent à l'Ukraine. Est-ce que l'avènement de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait jouer un rôle dans la suite du conflit avec entre la Russie et l'Ukraine, Donald Trump qui, on le sait, est très farouche vis-à-vis par contre de la Chine, qui elle-même est un allié de la Russie? Ben, c'est une question pertinente que vous posez là, parce que ça convoque, je dirais, une forme de dualisme hein, aux États-Unis, une idéologie basée sur la guerre, sur le complexe militaro-industriel des États-Unis, puisqu'en réalité, cette guerre profite aux États-Unis. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, les démocrates sont des va-t-en-guerre, puisque les Biden avec son fils ont été à la base de cette révolution appelée Biden en Ukraine qui a précédé au coup d'État et qui a amené toutes sortes de crises et donc de guerres avec cette forme de révolte des pro-russes dans le Donbass et dans les territoires pro-russes. Donc vous comprenez, nous sommes dans un continuum et quand Biden est devenu président, eh ben il a été la personne qui a porté cette guerre à bout de bras, mais cette guerre en réalité permettait de soutenir le complexe militaro-industriel de la Russie et en même temps affaiblir les pays européens dans une forme de stratégie assez machiavélienne. Alors, Trump, à l'opposé, veut mettre fin à cette guerre puisque Trump, on peut lui reprocher tout. Quand il était au cours de son quinquennat, de son mandat, il a tout fait quand même pour éviter un certain nombre de guerres. Et il me semble qu'il est beaucoup plus porté à mettre fin à la guerre. Le problème pour Trump, c'est que étant donné que les démocrates sont tellement investis dans cette guerre, il y a des enjeux économiques colossaux, des enjeux financiers importants. Tout est mis en œuvre quand même pour empêcher Trump d'arriver au pouvoir. Vous avez vu que les sondages ou la sérénité ne donnait pas vraiment gagnant Joe Biden. Ils ont rapidement trouvé une solution pour garder la Maison Blanche avec la montée en puissance de la candidature de Kamala Harris, qui a changé un peu la dynamique interne et qui met en difficulté la campagne de Trump aujourd'hui. Alors, il me semble que les démocrates vont tout faire par tous les moyens pour garder le pouvoir de façon à ce qu'ils puissent continuer malheureusement cette guerre. Mais de toute façon, l'opinion américaine est en train de se poser des questions. Il me semble qu'il y a une dynamique qui contre cette guerre qui va pouvoir se mettre en place puisque le financement de la guerre asphyxie la capacité du gouvernement américain de soutenir, n'est-ce pas, les travailleurs américains où l'inflation fait en sorte que ben, les Américains ont de la difficulté beaucoup plus à rejoindre les deux. Donc la crise sociale, la crise interne fera en sorte que eh bien, cette volonté de toujours déverser de l'argent à des millions de milliards de dollars en Ukraine, les Américains commencent par l'interroger. Ça va ralentir le processus et va amener, quel que soit le gouvernement qui sera élu, à reconsidérer justement d'une fin négociée pour qu'enfin
la question ukrainienne se règle de toute façon en défaite pour l'OTAN. Merci, merci chez Hello Lawson. À présent, on parle de l'actualité en France. Emmanuel Macron est censé depuis plusieurs mois déjà, on ne peut plus parler de jours, avoir nommé un premier ministre après le départ de Gabriel Attal. Celui-ci n'a toujours pas été fait, enfin je veux dire cette tâche n'a toujours pas été accomplie. En déplacement depuis le jeudi dernier, le chef de l'État en tout cas a déclaré « je parlerai aux Français en temps voulu et dans le bon cadre ». Ceci à cause des revendications de l'opposition qui aujourd'hui crie au coup de force carrément à la tête du pays, avec un gouvernement sans premier ministre, sans chef de gouvernement aujourd'hui en France. Déjà, quelle est la première lecture que vous faites en tant qu'analyste politique chez Le Lawson de cette actualité en France, de cette attitude d'Emmanuel Macron qui, l'on se souvient, avant les JO avait justement comme excuse les différentes cérémonies des Jeux Olympiques à Paris, il fallait laisser un peu de temps pour réfléchir et trouver un consensus. Quelques temps plus tard, toujours pas de consensus. Qu'est-ce qu'on fait? Comment analyser la situation en France? La situation en France, quand même, assez ubuesque, puisque Macron, qui se positionne comme le maître des temps, le maître de l'horloge, le jupitérien, s'est pris dans son propre jeu de l'en même temps. Vous voyez, il faut se rappeler que c'est lui qui a pris le devant pour dissoudre l'Assemblée, alors qu'il ne devrait pas, à la suite des élections européennes, qui n'avaient vraiment rien à faire avec la situation interne à la France. Et donc, il a pris le pari de dissoudre l'Assemblée et de façon à profiter, n'est-ce pas, du chaos. Il est un peu comme la cité du chaos, forcer la gauche et les Républicains à faire un bloc au Front National, de façon au Rassemblement National plus précisément, de façon à tirer son épingle du jeu, puisqu'il la Macronie avait une majorité relative et il a gouverné par la loi 49-3, et donc ça fait que on était en train d'assister à une situation politique des plus imprévus à la France. Alors, ce que ça amène aujourd'hui, ça a amené une crise politique, une crise institutionnelle, une crise démocratique qui, quelque part, dérive vers une incertitude économique avec une forme de volatilité sur les marchés, un ralentissement des investissements, mais aussi, à la fin, in fine, une crise sociale, car les Français sont confrontés à des urgences. Urgence, la rentrée s'en vient, où le pouvoir d'achat dégringole, où les Français n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts. On parle, par exemple, il y a une étude qui est sortie il y a 3 jours, où le baromètre, n'est-ce pas, des enfants de rue, il y a eu 120% d'augmentation d'enfants de rue. Parmi eux, il y a 500 enfants qui ont moins de 3 ans et qui se retrouvent dans la rue. Donc, nous sommes en France, c'est une situation d'urgence, d'urgence sociale, mais en même temps qui se double d'une crise politique institutionnelle et également une crise démocratique. Aujourd'hui, on compare Macron à un autocrate. On va même jusqu'à le comparer à Trump dans sa volonté de ne pas respecter les élections, les résultats des urnes. Et c'est Mélenchon qui pense que Macron est devant, prend l'avant-garde du projet de la fin de la démocratie qu'on observe surtout dans les milieux droitistes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Monsieur Chelo Lawson, ce que vous dites nous porte à croire que nous sommes déjà finalement en train de faire le bilan de la présidence d'Emmanuel Macron en France, à la tête de la République française, et de l'image qu'il donnera à garder de lui finalement aux Français, mais également à la communauté internationale,
avant l'heure, qu'est-ce qu'on peut retenir de Macron, un président qui a brillé justement par ses coups de force? Vous avez évoqué tout à l'heure l'usage peut-être abusif de la loi 49.3 pour passer en force à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il gouverne sans Premier ministre. Il a fait un pari fou qui se retourne contre lui. Macron le jupitérien. Qu'est-ce qu'on garde d'Emmanuel Macron en tant que président de la République française sous la 5e République, lui qui était arrivé comme étant finalement un pis-aller, un choix par défaut pour les Français, et qui en est à son deuxième mandat, un deuxième mandat qu'il mène péniblement vers la fin? Ben, Macron avait séduit à ses débuts par un discours, un narratif assez nouveau qui consiste à dire de façon très schématique que la gauche et la droite, eh ben, ça ne fonctionne plus en France. Il faut quelque chose de nouveau, qu'on a appelé la Macronie, qui consiste à faire un mélange savant de droite et de gauche, et qui met l'accent sur une forme de droite, où la question sociale n'est pas vraiment au bout du tunnel. C'est plutôt une droitisation d'une politique où on va donner, en tout cas, on va faire des remises de taxes aux grandes fortunes, tout en avoir une forme d'arrogance vers les Français qui se lèvent tôt. Et donc, on a cette façon de pouvoir faire la politique, et vu sa jeunesse, était considéré comme quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient brasser un peu les cadres politiques en France entre les courants de gauche et de droite. Malheureusement, 5 ans après, on découvre que la Macronie, c'est de là en même temps, c'est de la poudre aux yeux, et que Macron lui-même est contrôlé par la finance internationale, puisqu'il faut rappeler qu'il vient de ce milieu-là, et que ses décisions en réalité n'étaient qu'une forme d'alchimie qui n'a pas tenu la route. Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse politique, puisqu'il refuse d'accepter le résultat des urnes. Il devrait nommer Lucie Castel, qui a été la candidate proposée à Matignon par le Nouveau Front Populaire, qui est le rassemblement de la gauche. Il refuse tout simplement parce que derrière ce refus, c'est d'abord quelqu'un qui ne veut pas accepter une forme de gestion politique du pouvoir. Ensuite, il y a des questions économiques, des questions sociales de fond qui ne veut pas voir remettre en cause, alors que l'opinion française n'est pas d'accord avec lui. Je pense par exemple à la réforme des retraites à 64 ans que le rassemblement de la gauche dit pouvoir annuler par décret. Il y a des urgences en termes par exemple de l'augmentation des SMIC pour relever le pouvoir d'achat à 1 600 euros, pour relever le pouvoir d'achat des Français, à la gratuité, par exemple, des cantines à l'école, pour permettre aux enfants de pouvoir manger. Apparemment, certains enfants, c'est un seul repas, c'est ce repas gratuit qui va constituer leur menu journalier. Donc, la crise sociale en France est en train de flamber, et Macron, au lieu de regarder ça, s'enferme dans cette crise institutionnelle. Il faut le rappeler, c'est la première fois dans la 5e République qu'après une élection législative, le président refuse de nommer un premier ministre de la partie qui est donc en tête de ces élections. Il évoque la question de la majorité, de l'instabilité de cette majorité, mais je pense qu'il met la charrue devant les bœufs, parce qu'il fallait nommer le premier ministre du groupe majoritaire, qui est donc le Nouveau Front Populaire, et quitte à ce premier ministre de pouvoir trouver les formes de négociation, projet par projet, pour pouvoir avoir une forme de majorité pour soutenir son programme politique. Et si le Premier ministre n'arrivait pas à le faire, on peut constater et nommer un nouveau Premier ministre. Ici, il exige à ce qu'on ait d'abord cette majorité avant de pouvoir nommer un Premier ministre. Le problème, c'est qu'il y a 4 fronts et ces fronts ne s'entendent pas du tout. Il y a le Nouveau Front Populaire
qui ne veut pas du tout diriger avec le Front National, qui a eu la chance quand même de monter dans les sondages et aussi au niveau des députés. Au centre, on a les Républicains et puis la Macronie. Alors, ces quatre groupes s'affrontent, donc il y a une logique de parti qui ne permet pas justement de trouver ce consensus et qui fait en sorte que 55 jours après les élections législatives, eh bien, la France n'a pas toujours un premier ministre. Et alors, le gouvernement démissionnaire, le temps passe, s'inscrit dans le temps long et ça les amène justement, au lieu d'évacuer les affaires courantes, ils sont là en train de prendre des décisions politiques qui impactent les Français, mais en même temps, ils sont députés et ils contrôlent. Les députés sont supposés de contrôler l'action du gouvernement, mais le fait qu'ils sont à la fois députés et ministres, donc le gouvernement n'est pas contrôlé, on ne peut pas le censurer, on ne peut pas l'interroger. Nous sommes dans une forme ubuesque de dictature qui ne dit pas son nom, et c'est la France est méconnaissable par rapport à cette situation, elle qui donne des leçons à l'Afrique et aux Africains. Chez Le Lance, dites-nous, est-ce que l'enfermement d'Emmanuel Macron que vous évoquez pour se détourner des questions sociale n'est pas aussi la manifestation de la mainmise de la finance et des différents lobbies qui l'ont porté au pouvoir, qui seraient en train de manœuvrer pour précisément pour la suite, pour reprendre la main un premier ministre issu du front de gauche à mi-mandat, préparerait le terrain pour l'avènement justement d'un président de gauche à la prochaine présidentielle. Est-ce que ce n'est pas ça aussi l'enjeu de cette impasse autour de la nomination du premier ministre, du nouveau gouvernement finalement? Ben, vous avez raison de l'évoquer, parce qu'un élément quand même assez probant, c'est la montée en puissance du MEDEF, c'est-à-dire le groupe des patrons, qui sont complètement dans l'extase à l'idée qu'on augmente le SMIC à 1 600 euros. Et donc, pour eux, c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est pas possible, ça va plonger l'économie française, ça va être la catastrophe. Mais tout un discours, tout un narratif du cataclysme, n'est-ce pas, en train d'être évoqué, et une peur qu'on veut insuffler aux Français pour la venue, n'est-ce pas, du front de gauche au pouvoir, parce que des mesures sociales vont être prises. Par contre, ces patrons sont tout à fait à l'aise à l'idée que sur les grandes fortunes, eh bien, le gouvernement puisse toujours leur donner une forme de rabais financier avec l'argent du contribuable. Donc, vous avez raison d'évoquer la finance qui manipule derrière cela. Alors que si on pose les débats du point de vue économique, en augmentant le SMIC, c'est une façon de redonner du pouvoir d'achat aux Français et en donnant du pouvoir d'achat aux Français aux salariés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont consommer. Et en consommant, c'est une façon d'investir dans l'économie par la consommation. Et quand il y a une demande forte, n'est-ce pas, le carnet d'adresses des entreprises vont se remplir. Et si ces canets se remplissent, qu'est-ce qu'il y a? L'économie qui roule, puisque ça demande à ce que la production augmente pour répondre à cette demande. Et si la production augmente, eh ben, c'est l'économie qui est en train de rouler. Mais si les gens n'ont pas de moyens pour aller consommer, il y a une situation de précarité, de pauvreté, et qui va amener l'État à investir davantage dans le social. Et donc, nous sommes dans un cercle vicieux dans la quadrature du cercle, mais c'est une question également de courant politique, d'intérêts qui sont en jeu, et la finance toujours a tendance à pouvoir maximiser le profit. Il faut voir tout simplement le CAC 40 et les entreprises françaises, les grandes entreprises françaises qui sont cotées sur le marché financier international, voir les profits absolument exponentiels qu'ils font, et surtout quand vous le comparez à la misère n'est-ce pas, en France, vous êtes quand même halluciné de voir que toujours le choix est fait pour les riches et jamais pour les pauvres. Et quand le mouvement politique de la gauche s'organise justement pour essayer de jouer un peu sur ce qu'on appelle la redistribution, n'est-ce pas, des recettes, de façon à ce que, eh bien, personne ne reste sur le carreau, vous voyez que ces richissimes Français commencent par menacer, parlent de quitter le pays, de pouvoir ne plus investir. Mais quand ils sont en difficulté, c'est toujours l'État avec les recettes du contribuable qui viennent à leur secours. Donc, nous sommes dans une forme
de fourberies politiques qui cachent mal une volonté de ne pas respecter la démocratie, c'est-à-dire la volonté des peuples exprimée dans les urnes. On passe par toute forme d'alchimie politique pour pouvoir cacher, en tout cas rejeter cette volonté et de maintenir le statu quo, ce qui choque énormément en France parce qu'on a l'impression que le vote aujourd'hui, ça ne veut rien, ça ne veut plus rien dire. C'est une oligarchie qui pense qu'il est plus intelligente que l'ensemble de la population et qui utilise justement les moyens de finance, de la puissance financière pour pouvoir écraser la population, ce qui est assez regrettable aujourd'hui. Merci chez Lou Lawson. Eh bien, la population est justement exacerbée par cette attente très longue et interminable. Donc, le gouvernement, certains des collaborateurs aujourd'hui d'Emmanuel Macron, le président en France, demandent à avoir un interlocuteur, ne sachant pas à qui, n'est-ce pas, s'adresser malheureusement lors de signatures ou alors de permissions de d'autres choses, en tout cas de questions administratives, disons-le ainsi, et de questions étatiques. À présent, on se souvient que depuis quelques jours, notamment depuis le 23 août dernier, eh bien, le président Emmanuel Macron discute avec des partis politiques, avec des collaborateurs. Et d'après les retours qui ont été faits par ces acteurs politiques, eh bien, les discussions peinent à être convaincantes et concluantes. Que faut-il retenir donc de cette attitude? Est-ce qu'Emmanuel Macron essaye de gagner en temps pour avoir un gouvernement finalement sans la gauche, sans cette extrême, sans la droite, je veux dire, sans cette extrême droite, comme il a l'habitude de l'appeler? Ben, Macron, comme je l'ai dit au début, s'est retrouvé empêtré dans ses propres turpitudes, puisque les positions sont assez inconciliables. Nous avons une gauche qui est en tête, qui a gagné les élections malgré qu'elle a une victoire relative. Naturellement devrait proposer le Premier ministre. Mais les forces de droite disent si c'est la France insoumise fait partie de cette gauche-là, ils ne vont pas pouvoir soutenir le Premier ministre et donc censurer le gouvernement. Macron s'appuie là-dessus pour dire que, ben voilà, à cause du fait que le gouvernement sera destitué, il préfère choisir un premier ministre ailleurs. Le problème, c'est que le nouveau Front populaire de gauche dit aussi que tant que leur premier ministre n'est pas apporté à Matignon, eux aussi vont censurer tout autre gouvernement. Et donc, alors que personne sur les quatre forces politiques que je viens d'évoquer n'a la majorité pour pouvoir constituer le gouvernement. La France n'est pas habituée, comme l'Allemagne ou la Belgique, à une forme de parlementarisme politique qui fait en sorte qu'après les élections, on négocie pendant des mois et des mois avant de pouvoir arriver à un consensus pour pouvoir former le gouvernement. La France n'est pas habituée à cela. C'est un pouvoir assez fort, une majorité toujours pour le président pour pouvoir gouverner. Donc, c'est une crise institutionnelle qui est ouverte. Et cette crise-là amène justement à le parti politique de gauche, surtout LFI, a proposé, justement, a menacé en tout cas le président de destitution en évoquant l'article 68. Vous voyez, et donc cette procédure pourrait être amenée au bureau du Parlement dès le 11 septembre si d'ici là, la question n'est pas réglée. L'autre problème également, c'est le fait qu'il y a une forme de contestation auprès de la Cour constitutionnelle, puisque les ministres ne sont plus habilités à pouvoir gouverner. Ils sont devenus démissionnaires dans une situation de crise, mais ils gouvernent quand même. Et donc, toute cette situation est en train d'agiter la crise sociale, puisqu'il y a une manifestation qui a été lancée par la jeunesse pour le 7 septembre. Tout ça fera en sorte que ce que les urnes n'ont pas pu obtenir, peut-être que la rue qui va l'obtenir, et nous allons vers une crise sociale, politique et institutionnelle qui fera en sorte que le mandat de Macron pourrait éventuellement, si rien n'est fait, pourrait être écourté, parce que devant une population qui se révolte, on a vu les gilets jaunes se révolter un peu partout en France. Donc si ces mouvements, si le front social se durcit, eh ben, c'est des manifestations, c'est l'économie qui va prendre un coup.
Et in fine, ça pourrait peut-être abréger, j'allais dire, le mandat du président, puisque c'est la seule façon de retourner vers les électeurs, c'est une nouvelle élection présidentielle qui va être suivie d'une élection législative. On n'en est pas là pour l'instant. On espère quand même que Macron va pouvoir sortir un peu de ses calculs de Tartuffe pour pouvoir voir la réalité en face et faire asseoir toutes les parties et permettre quand même qu'il y ait un consensus qui puisse aujourd'hui gouverner la France sur des enjeux sociaux, des enjeux économiques, de partage et de redistribution des intérêts en jeu en France, surtout en tenant compte de la question sociale. Chez Le Lawson, en voulant désagréger la tradition dans la politique française, celle qui a toujours opposé la droite et la gauche, Macron a vendu le macronisme, mais à la fin de son mandat, on se rend compte qu'il a finalement renforcé aussi les irrédentismes dans ces camps-là. Aujourd'hui, la gauche et la droite sont plus que jamais irréconciliables, et puis il y a le macronisme qui ne semble plus tenir la route. Dans l'ensemble de l'Union européenne, on craint justement la montée de l'extrême droite. Est-ce que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir sera encore retardée pendant longtemps? Pour certains analystes, elle est inéluctable. Vous avez raison de l'évoquer, c'est inéluctable. Il faut voir justement la progression du Front national depuis Jean-Marie Le Pen jusqu'à sa fille Marine Le Pen, qui a transformé le front de son papa en d'abord rassemblement, et aujourd'hui on parle de rassemblement national. Donc il y a une progression, il y a une forme les Français ne sont plus en train d'avoir cet épouvantail pour voter Front National. Donc il y a une désacralisation quelque part, plutôt une sacralisation, n'est-ce pas? Il y a quelques années, voter Front National, c'est comme si vous êtes un diable. Aujourd'hui, c'est tout à fait naturel. Donc, il me semble que ce parti pourrait éventuellement arriver au pouvoir. D'ailleurs, ils allaient gagner les élections législatives s'il n'y avait pas eu ce Front Républicain qui a rassemblé donc toute la gauche. En 4 jours, cette gauche qui se déchirait a retrouvé son unité pour pouoir faire ce barrage au Front National. Et ça a été toujours cette politique-là depuis 2002 avec Jospin. À chaque fois que le Front National veut monter, eh bien, il y a un blocage systématique, une mobilisation pour dire jamais le Front National. Et donc, la France, en tout cas, les politiciens français s'appuient sur ça, font à pousser. En tout cas, s'appuie sur des enjeux, je dirais, racistes ou des enjeux assez xénophobes, donc l'immigration, les étrangers, les Noirs, l'insécurité, c'est un peu leur dada. Donc, en poussant ces agendas ou en jouant sur la peur, eh bien, de l'étranger ou de l'immigration, qui des mots comme nous sommes envahis, on va jusqu'à parler du grand remplacement, et donc on sera envahi par des Africains, des migrants africains, etc., sans remettre en cause la politique de la France en Afrique qui crée justement la misère, l'exploitation, la prédation. On est dans ce discours, et ce discours vient apporter de l'eau au moulin du Front National qui monte en puissance. Et cette montée en puissance, à chaque fois, eh bien, il fallait que la gauche se fasse un bloc face au Front National et qui permet à un candidat éventuel de pouvoir gagner au deuxième tour. Donc, ça a été un peu, je dirais, les mécanismes, l'identité remarquable de la politique française, donc qui ne change pas vraiment. Il suffit seulement de monter le Front National en épingle, en puissance, et puis de crier au loup, et à partir de là, toute la gauche, toutes les partis dits républicains vont pouvoir soit faire blocage et permettre à ce candidat qui n'est pas vraiment choisi par la France de passer. Donc c'est des candidats par défaut, et Macron lui-même a été quelque part ce candidat par défaut, et aujourd'hui, eh bien, Macron à travers sa politique a permis justement la montée en puissance du Front National. Est-ce qu'il va réussir à éviter, ou en tout cas le Front Républicain viendra toujours en secours contre la montée du Front National? Il me semble que cette alchimie finira par
à se désengager face à ce mécanisme qui est mis en place et qui, visiblement, aujourd'hui, amène beaucoup de Français à vouloir essayer aussi Marine Le Pen, même si leur politique ne tient pas à la route en termes de promesses assez ubuesques qu'ils font pour parler du retrait de l'euro, de la fermeture des frontières, de revenir à la France d'antan. Enfin, leur politique est n'est pas réaliste sur le plan économique, sur le plan social, puisque cette France-là a été bâtie par l'immigration, continue à être bâtie par l'immigration et surtout a été sauvée par des Africains venus d'Afrique. On vient de fêter les 80 ans de la libération de la France. Et donc, cette France est multiraciale, multicomposite, où les énergies viennent un peu partout dans le monde à cause de l'empire colonial. Et donc, il me semble aujourd'hui assez illusoire. Mais néanmoins, ils vont toujours utiliser cette rengaine pour pouvoir tromper un peu les électeurs français. Merci, merci chez Lou Lawson pour cette lecture sur la question. Je crois que c'est cela qui nous permet de refermer cette émission Le Monde comme il va, ou du moins sur cette thématique. Barga Bega, nous voulions en quelques minutes seulement aborder la question de l'arrestation du président directeur général du Telegram du côté de Paris et aborder avec vous chez Lou Lawson le regard que vous portez sur cette actualité concernant aussi bien la liberté d'expression que cette guerre géopolitique qui opère aujourd'hui, que ce soit sur le territoire ukrainien ou encore entre la Russie tout simplement et les pays occidentaux. Chez Lou Lawson, vous êtes là? Ouais. Je suis bien là. D'accord. Alors, le président directeur général de Telegram a été arrêté il y a de cela quelques jours et Emmanuel Macron s'est exprimé, c'est vrai, il y a de cela quelques heures sur cette arrestation et rappelait que ce n'est pas une question politique, mais en tant qu'analyste politique et puis très proche, assez averti en ces questions de liberté d'expression et de conflits géopolitiques. Quel est votre regard? C'est assez intéressant, cette situation qui a son lot de surprises. Mais à lui regarder, on se rend compte de toute évidence, et toutes choses égales par ailleurs, que la France est en train justement de montrer des signes de faiblesse, des signes de décadence aussi, puisqu'il y a une remise en cause d'un certain nombre de principes démocratiques qui est la liberté d'expression. Cette arrestation pose donc la question de philosophie politique, de crise institutionnelle au sein même des démocraties européennes, notamment la France, mais aussi également la pose évidemment un hiatus juridique, puisque on ne peut pas arrêter quelqu'un tout simplement pour avoir créé, je dirais, une plateforme de messagerie cryptée et le rendre responsable du contenu. Qui a le contenu de cette messagerie. Si c'est le cas, on aurait pu arrêter Elon Musk ou encore Mark Zuckerberg pour Facebook, WhatsApp, etc. Donc, alors, c'est quand même une jurisprudence. C'est comme si on arrêtait quelqu'un qui a conçu une voiture parce que quelqu'un l'aurait utilisé pour faire un accident. C'est la personne qui utilise en conscience la messagerie qui a enfreint, s'il y a des lois qui ont été enfreint, c'est cette personne qui est responsable. Donc, vous comprendrez alors que c'est une arrestation politique, en réalité, puisque les services de police française font pression sur le responsable de Telegram pour pouvoir leur donner le code et avoir accès aux données. Il se fait que dans les principes qui gouvernent cette messagerie, on ne partage pas les données avec les tiers. Et donc, il faut l'arrêter, faire pression sur lui pour obtenir par la menace, la torture, un espace psychologique, ce code. Et derrière la France, c'est les services secrets français, israéliens, américains, puisque Telegram est russe. Il y a beaucoup d'informations en temps
réelles qui circulent sur cette plateforme et dont ils n'ont pas accès, puisque les Américains ont réussi avec Facebook à créer ce qu'on appelle le Big Data. Donc, le Big Data, ça permet à la CIA, aux services américains, d'avoir accès à toutes nos données, photos, messages, tout ce que nous partageons. Mm. Eh bien, ils ont accès à cela. Par contre, Telegram, ils n'ont pas accès, puisque c'est russe. Alors, ils cherchent aujourd'hui à percer le code, parce que c'est une forme de messagerie qui utilise une technique qu'on appelle le chiffrement, qui fait en sorte que le message, quand vous l'écrivez, se transforme en chiffre. Et c'est de l'autre côté que ça se déchiffre. Donc, c'est une forme, un algorithme assez sécurisé et aussi qui fait ce qu'on appelle l'effacement, c'est-à-dire les messages disparaissent. Et il y a tout un mécanisme comme les bots, automatisation des tâches, des appels vocaux, des vidéos, tout ça qui sont assez protégés avec des messages assez destructeurs, c'est-à-dire les messages s'auto-détruisent. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que la confidentialité et l'anonymat est 100%. Et c'est ça qui gêne les institutions de l'État, puisque eux, ils veulent contrôler les citoyens. Ils veulent savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Ils veulent les surveiller comme de lait sur le feu. Et quand cette surveillance les échappe, eh ben, ils utilisent des moyens pour pouvoir menacer. Et derrière encore cette situation se joue la guerre d'Ukraine, puisque l'OTAN veut avoir de l'information, veut percer, n'est-ce pas, les milieux technologiques russes. Et donc se joue également une guerre technologique, une guerre numérique, une guerre digitale derrière l'arrestation de M. Durov. C'est tout ça qui sont convoqués dans cette analyse. Mais au-delà de ça, ben, c'est la liberté d'expression aujourd'hui qui est remise en cause, puisque cette liberté d'expression, selon la Constitution française de 1958 et également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ces deux textes juridiques fondamentaux sacralisent quelque part la liberté d'expression en France. Et d'ailleurs, le président Macron, dans un discours en 2010, est revenu là-dessus et a insisté sur la liberté d'expression comme étant un principe sacro-saint. Aujourd'hui, c'est remis en cause d'une façon assez ubuesque. Mm-hmm. Et ça choque quand même un certain nombre d'analystes et voir un peu comment ce procès va se dérouler, puisque les arguments juridiques ne sont pas en faveur de notre France. Merci, chez Lou Lawson. Eh bien, ce fut un plaisir de discuter avec vous. On va quand même rappeler les chefs d'accusation contre le président directeur général de Telegram, Pavel Durov. Eh bien, il s'agit de complicité dans l'administration d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée, un refus de communiquer les informations ou documents nécessaires pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi, complicité dans l'acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits de stupéfiants, complicité dans l'escroquerie en bande organisée et puis blanchiment et crime, délit en bande organisée. Voilà quelques chefs d'accusation retenus contre Pavel Durov. Chez Lou Lawson, un autre aspect, c'est celui de la guerre d'information sur le plan géopolitique entre la Russie aujourd'hui et les pays occidentaux, notamment la France. Est-ce que de ce point de vue-là également, on pourrait tirer la couverture de ce côté? Ben, tout à fait, puisque nous sommes dans une guerre. Tout à l'heure, j'ai évoqué la guerre numérique, la guerre technologique, mais au-delà de la guerre technologique, ben, c'est la guerre informationnelle. Et la guerre, souvent, elle est opérationnelle. Mais avant d'être opérationnelle, elle est d'abord informationnelle. La guerre commence par la propagande, par le message, par le narratif, par une façon de démoniser l'adversaire, de lui enlever l'humanité pour pouvoir mieux l'attaquer, le tuer, sans avoir un grain de conscience. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, aujourd'hui, avec la technologie, avec les messages qui se transmettent, des millions, des milliards de messages à un temps record, ça échappe bien évidemment à l'emprise de l'État, à l'autoritarisme étatique. Ça ne plaît pas aux partisans d'un État fort, d'un État
Big Brother qui veut contrôler le citoyen. Donc, se pose fondamentalement la question, sur le plan de la philosophie politique, de la liberté d'expression, mais aussi de la liberté individuelle. Alors que ces États se font le champ de la démocratie et au centre de la démocratie, eh bien, c'est ces questions qui sont donc posées en axiome, n'est-ce pas, fondamental, en axiologie, voyez, de façon à pouvoir poser l'équation philosophique et également politique. Il y a des auteurs hein, comme John Locke, comme Jean-Jacques Rousseau, comme Emmanuel Kant d'ailleurs, hein, qui ont défendu l'idée que chaque individu possède des droits naturels inhérents notamment à la liberté d'expression de pensée et qui ne peut pas être aliéné par l'État. Aujourd'hui, on constate plutôt que c'est le retour de l'autoritarisme, le retour au nom de ce qui a été évoqué tout à l'heure comme des motifs de condamnation ou en tout cas d'accusation, de drogue, de partage de contenu pédocriminel, des choses comme ça, mais qui sont le, je dirais, qui structure même la société française. D'une certaine manière, c'est des Français qui partagent ces informations, c'est pas le président, le directeur général de Telegram. Mmh. Donc, il faut quelque part interroger la société française si justement cette société est dans une forme de dépravation des mœurs pour arriver justement à ce genre d'abus. Au lieu de le faire, on vient s'attaquer à quelqu'un qui a créé son entreprise et qui a jouit d'une certaine nationalité française et qui aujourd'hui est mise en cause. Alors, pour pouvoir voir un peu cette forme de retour de l'autoritarisme, il faut interroger Thomas Hobbes dans son bouquin qu'il a appelé Le Lévitan, à justifier un État fort centralisé pour éviter le chaos, où chacun pour soi, dans l'état de nature, pourrait créer le désordre dans la société. Mais c'est des formes de société qui ont été dépassées aujourd'hui. Et si la démocratie est utilisée comme, je dirais, avancement de toutes les formes politiques d'organisation de la société, on ne pourrait pas revenir en arrière sur ces questions. Et donc, l'information, aujourd'hui, vient poser la problématique de ces principes fondamentaux qui, normalement, doivent gérer le pays. Aujourd'hui, les États-Unis veulent tout contrôler, l'OTAN veut tout contrôler, mais la Russie arrive aussi à créer ces espaces dont ils n'ont pas le contrôle, et ça ne les plaît pas beaucoup. Mais ce que la France vient de poser va amener une représaille des Russes qui vont forcément aussi arrêter des Français, comme ils le font avec les Américains. Les Américains arrêtent des Russes également arrêtent des Américains. Ils arrivent à négocier, à faire des échanges de prisonniers. La France risque gros dans cette affaire parce que le géant russe, qu'on ne plaque pas avec lui. Il faut se rappeler de l'histoire de Joseph Snowden, qui est cet Américain qui a fait fuiter des informations de la NSA et qui a trouvé asile en Russie et qui finalement a été naturalisé russe, que les Américains n'ont plus rien fait jusqu'à présent pour pouvoir l'extrader. Et donc les Français, en tout cas, à se méfier de cette démarche assez audacieuse de Macron de pouvoir s'attaquer aux intérêts russes dans la foulée de tout ce qu'ils font comme sanctions pour s'attaquer aux oligarques russes pour pouvoir saisir leurs biens, leurs richesses, leurs avoirs, surtout qui sont en France ou dans l'Union européenne. Donc il va y avoir des représailles de ce point de vue. En tout cas, le gouvernement russe, le porte-parole est monté à créneau, et également l'ambassadeur russe également a réclamé un certain nombre d'explications de la part de la France. Okay. Et ces explications, me semble-t-il, ne sont pas arrivées à convaincre l'opinion de la volonté, n'est-ce pas, que cette affaire n'est pas une affaire politique, ni une guerre larvée contre la Russie. Merci, merci chez Lou Lawson pour votre temps et votre disponibilité apportée hein, dans le cadre de ce programme. On va remercier également Laurent Braillard, journaliste reporter d'images et puis historien qui était avec nous, Barga Bega. On rappelle les titres avant de se séparer?
On parlait justement de cette déflagration de frappe en direction de Moscou, en direction de Kiev, effectivement, qui dénote à suffisance de la disharmonie de la mélodie de la mélodie mondiale, justement, au sujet de ce conflit russo-ukrainien qui est monté en grade et qui a proposé cette semaine à voir et à revoir les horreurs de cette guerre qui s'enlise. Nous avons également discuté de cette nomination du nouveau gouvernement en France qui n'arrive pas et qui semble être bloqué parce qu'impétrée la France dans une crise politique et institutionnelle. Nous sommes sortis en parlant de l'affaire Telegram et de l'arrestation puis de la mise sous contrôle judiciaire de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, qui doit donc désormais pointer au commissariat français toutes les semaines. Lui qui donc fait l'objet de pression de la part du gouvernement français et des services de secret. Notre invité Chelo Lawson vient de nous faire entendre que la CIA, mais également les services de renseignement du Mossad israélien, se sont également jointes à l'affaire. Voilà ce qui a constitué précisément notre tour du monde ce samedi. Un tour du monde qui, nous l'espérons, a permis à vous, chers téléauditeurs, de mieux comprendre les faits d'actualité traités ici et là, de comprendre les enjeux, mais surtout de dégoupiller, de vous permettre de vous faire votre propre religion sur la question. Bégoudé Madone, il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour le travail de fourmi que vous faites derrière la production de cette émission. Merci à vous également, Barga Abega, d'avoir été avec moi sur ce plateau. Alors, dans ce studio, on n'oublie pas la partie technico-artistique qui était savamment orchestrée par Kelly à la mise en onde et derrière les caméras. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission Le Monde comme il va. En attendant, les émissions, les programmes se poursuivent. L'actualité africaine est... Et d'ailleurs, c'est sur Foria Radio. Au revoir, Koursk.